Bonjour. Pour ce tutoriel sur la boîte à outils PDF 24, nous allons voir la 13e option. La 13e option concerne ici trier les pages PDF. Alors, trier les pages PDF, eh bien, si vous créez par exemple un fichier PDF que vous avez converti avec Word, Excel ou autre, normalement vos pages sont dans le bon ordre. Au cas où elles seraient dans le désordre, eh bien, vous pouvez les ranger dans l'ordre. Alors ça va être intéressant, surtout par exemple si vous faites un fichier PDF à partir d'images, par exemple, pour raconter une balade. Vous allez comprendre, je vais vous montrer ensuite. Bien entendu, lorsque vous téléchargez un PDF sur votre banque, aux impôts et tout, les pages sont dans l'ordre. Donc cette option ne vous servira pas. Elle vous servira surtout, je pense, pour des images. Je vous montre, on clique sur « Trier les pages PDF ». On va choisir le fichier en question. J'ai donc moi ici un fichier où il n'y a que des images dedans. On clique sur ouvrir. Et là, en dessous, vous voyez s'afficher toutes les pages de ce PDF. Et si on fait bien attention, ben j'ai peut-être envie, moi, on s'aperçoit par exemple qu'ici, en dernier, ça concerne une exposition de véhicules anciens, et ici, en dernier, ben j'ai une page qu'il faudrait mettre en premier, justement, pour expliquer que j'ai été à tel rassemblement. Pour ranger les pages dans l'ordre, un clic gauche dessus, maintenu, et vous glissez là où vous souhaitez mettre cette page. Je veux que cette page soit en premier pour montrer, bien entendu, le rassemblement en question. Ensuite, j'ai mon rideau de fermeture que je vais mettre à la fin, bien entendu, puisque mon rideau de fermeture doit se trouver à la fin et pas à l'entrée. Ici, par exemple, j'ai l'ouverture que je vais mettre en deuxième position après la première page. Expliquons où je vais, par exemple. Donc, j'explique où j'ai été, le rideau s'ouvre, et j'ai les photos suivantes des véhicules, puis mon rideau va se fermer à la fin. J'ai rangé dans l'ordre, et bien maintenant, il suffit de créer le triage du PDF en cliquant sur le bouton correspondant, et vous allez obtenir votre nouveau PDF avec les pages rangées dans l'ordre que vous venez de faire. Je ne vais pas enregistrer, bien entendu, mais vous avez bien compris le principe. C'est tout simplement pour ranger vos pages dans le bon ordre. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.